Bonjour, internautatrice et internautateur, ici Galden pour les jeux du cygne. On continue notre découverte sur RimWorld Anomaly. J'espère que ça va bien se passer. Hier, c'était plutôt cool. On va se dire que ça sera aussi bien aujourd'hui. Dans les choses que j'envisageais. Il y avait la possibilité d'ouvrir ce mur. Certains gros streamers font une seule grande pièce. Je n'ai jamais testé. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas? Tiens, tout ça, c'est des trucs qui sont tainted. Ouais, t'es porté par un mort. Il faudrait que je me les détruise d'une façon ou d'une autre. Ça, ce serait bien si vous le transportiez. Je vais faire une zone de décharge. Hop. Où je vais mettre. Juste les vêtements contaminés. Je vais mettre en critique. Comme ça va me permettre de dégager cette zone. Alors, Hurlefort, il va péter un câble, en fait. Parce que... Ouais, parce que... Les trucs de viande, ça va juste pas le faire. Ça va être la cata. Est-ce que... Je crois pas que j'ai... Non, j'ai pas de grenade. Ça pourrait peut-être être intéressant que je m'en fasse. Sauf que... J'ai pas de fuel. Histoire de détruire tous ces équipements qui ont été portés par des morts. Qu'est-ce que je fais de mes cadavres d'entité aussi? Parce que ça, à la limite, les ghouls, puisque j'en ai deux maintenant, pourraient peut-être les bouffer. Si je te dis, ouais, c'est ça, je peux lui dire de consommer ça. Ça pourrait être une solution. Voilà. Hurlefort est devenu complètement détaché de la réalité, divague sur des sujets incompréhensibles. Suppresseur de sommeil qui a eu cet effet. Ah oui, parce qu'il est là. Cool. Est-ce que ça a un impact là? Suppresseur de sommeil, ouais, moins 6. Et du coup... Du coup, est-ce que... Si je fais ça là, ça quand même péter en soi. Je vais refaire deux périodes de temps libre. Normalement ça passe. Hein. En bois, je suis large. En bouffe, j'ai plus de problème. Ça recherche. Bon, on est plutôt bien là. Il manque des crânes.
Tiens, bah, je sais ce que je pourrais faire. Voilà, totalement guéri en plus. Je vais aller descendre. Ouais, sociabilité 0,42, ça remonte doucement. Doucement, mais sûrement. Tac. Je vais redescendre, je vais aller voir ce qui se passe dans la zone en dessous là. Je vais laisser l'a dit Frédéric. Non. Les chutes. Les chutes, l'a dit Frédéric. Hop. Et on va descendre dans la fosse. Est-ce que j'en ai un qui cuisine là dans ceux-là? 2, 4. Ah bah c'est bon, j'ai Frédéric qui est un très bon cuistot. Hop, et voilà. On arrive en dessous. Dans les profondeurs de la fosse, vous avez découvert un immense réseau de grottes infestées d'abominations de chair. Ces cavernes sont remplies de masses de chair vivantes qui vous barrent la route. Attaquez-les pour les détruire. Le réseau entier semble instable. Si vous découvrez ce qui se trouve derrière ces obstacles de chair, vous parviendrez peut-être à provoquer l'effondrement des galeries et à refermer la fosse. Mitch est sur place. Alors, ça, c'est de la lumière, donc on n'est pas obligé de la casser. Voilà, donc on voit, il y a une petite cordelette. Et puis, bah, il faut se creuser des trous à coups de bastos. Sac de chair qui contenait quelque chose. Oh, un cadavre. Oups, là, on va y aller plus lentement, les cocos. Alors, on va y aller là. On a nos trois cacs. On met devant. Et 1, 2, 3, 4, 5 qu'on met derrière. Chobiti, tu te barres, s'il te plaît. Ah, ils sont pas agressifs. Ils m'ont pas vu. Ça me semble hautement improbable. Ah si. C'est dommage qu'ils se soient attaqués à Dez en premier. Alors, c'est le problème, c'est que ces saloperies, ça se divise. Qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Un mort, d'accord. Ok. Alors, les deux boules devant, s'il vous plaît, mesdames. Ou messieurs, je sais pas bien, je suis pas allé voir. Ah oui, ça fait ça. Ah ouais, ça stun. Ah mais ça me stun moi aussi. C'est moins bien tout de suite. Hop. Ok, IHS. Mais ceci dit, on va le terminer. Voilà, problème réglé. Toi, j'aimerais que tu sois plutôt derrière. Voilà, très bien, le petit shoot devant là. Tac. Ok, et on termine. Toi, j'aimerais que tu te soignes en fait. Tac. Tac. Une petite blessure de trois fois rien.
Hop. Tac. Qu'est-ce que c'est? Un pulseur de biomutation. Qu'est-ce que c'est que ça? Effectueur psychique à large bande et à usage unique créé à partir d'un fragment d'Arcotech occulte. L'appareil génère une impulsion qui modifie la musculature de tous les animaux de la région et les transforme en créatures terrifiantes. Les animaux sous votre contrôle ne sont pas affectés. Aidés. Bon, les 4 médocs. Tu vas aller ramasser toi. Jilid. En fait, il faut ramasser un peu avant. Parce que quand ça va péter, ça va tout péter. Récupérer. Il veut manger un morceau. Tac. Non, il bouffera plus tard. Toi, tu finis tes pemmicans. Tébélébélém. Hop. Allez, on continue d'avancer. Ouais, carrément, tu pionces toi. Ah oui, tu m'as t'es un peu fatigué. Bon, le truc, c'est qu'on peut, techniquement, on peut descendre et remonter. Et on n'est pas fondamentalement pressé de vider la zone. Si tu recules, s'il te plaît. Voilà. Bim. Ah oui, ça dévoile parfois des grosses grosses zones. Toujours mieux laisser la lumière. Je vais peut-être remonter. Et c'est un cul-de-sac. Hop. Allez, je vais remonter pour l'instant. J'irai explorer d'autres zones plus tard. Visiteur. Où es-tu? Tu es là. Ouais, ils sont pas méga jouasses en fait. Tiens, là je pourrais autoriser ça. Qui est-ce qui va causer? C'est Miss Chobiti.
Mitch avec un peu chaud. Donc il s'est dit que le frigo c'était un bon endroit. Il en est où en termes de 51? Donc c'est long. Et toi, du coup, convertir une heure. Ça risque de pas être ouf vu ton niveau de sociabilité maintenant, mais. Mais bon. La lady qui lui cause déjà 47%. Okay. 40%. C'est toujours pas ouf. Alors, traiter des occulteurs par-delà les catacombes. Poussière de résurrection, détecteur de proximité. C'est pas mal ça. Sérum de vision du néant, c'est pas mal aussi. Il augmente la sensibilité psychique. Bonne chose, ça. Herbe médicinale, je prends. Je vais devoir te donner beaucoup de sous, toi. Bon, en même temps, j'ai plein de petites saloperies. Hop. Hop. Blouse en tissu. C'est pas mal ça, mais. Pour les chercheurs. Mais bon, en même temps qu'on nous fait autre chose. Arc composite. Norme. Qu'est-ce que j'ai d'autre en normal? Hop. Hop. Je vais revendre tout ce qui est normal. Est-ce que celui-là risque de créer mental celui-là? Ah non, là c'est des trucs que j'ai pas découvert encore. Ok. Ah oui, il y a notre canne. J'ai absolument pas assez de sous. Qu'est-ce qui est prioritaire? Ce qui est prioritaire. Non. Ça, je m'en fiche. 141. Allez, j'aurais pas de vision de sérum du vision du néant. Même si c'est un truc plutôt cool, ou sinon j'en achète. Ouais, non. Quand je serai capable d'en produire, j'en récupérerai. Chobiti, du coup. Ah oui, t'es là. Hop, allez, on va me chercher ça. Résurrection de ghoul, si jamais j'en perds. Je vais aller chercher. Je vais terminer le sérum des sensibilisateurs. Bon, ils ont tous mangé. Tour métal, bon, pourquoi est-ce qu'il a allié? Je ne sais pas. Ah si, c'était celui du Hurlefort. Sérum dans le simulateur, c'était rapide. Et ben on va aller chercher. Ah ça, je peux déjà le rechercher, même si j'ai pas fini la chronophagie. Ah non, je peux pas. Donc on va chercher l'armement affolant. Hop, et puis. Bon, on va redescendre. Hein. T'es encore en train de pioncer, toi? Techniquement, ça, j'en ai plus vraiment besoin.
Je vais quand même en garder des petits bouts des fois que. Je sais pas à quel point ça peut devenir efficace. Ah oui, de toute façon, je vais pas trop pouvoir. Parce que il y a de la caillasse. Tac. Alors, tac et TBM. Et du coup, je vais supprimer ça. Et agrandir. Ouais, ça va s'arrêter là. Ok, tac. Tac. Hop. Certitude 36. Allez, ça va le faire. Ce sera quand même plus facile quand il sera plus vénère à la moindre occasion. Je pourrais me faire une vraie table aussi. Ce serait peut-être pas du luxe. Genre, vu le nombre de 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 bientôt. Une petite table en 3x3. Alors, pas en métal du coup. En calcaire. J'en ai 102 et il m'en faudrait 100. Parfait. Hop. Et du coup, toi, je te mettrai. Tu pourrais te déplacer là. Voilà. Celle-ci, elle est normale. Elle ne m'intéresse pas vraiment. Celle-ci non plus. Alors, tac, derrière ça, des chaises en bois. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Comme ça, ils sont pas en passage. Et puis ça, ouais, en fait, je vais le démolir. Je vais essayer ça. Hop, je vais péter ce mur. Ou non, je vais pas forcément le péter, mais je vais juste péter la porte. Histoire de me dire de dire que c'est une seule et même pièce. Il en met du temps à récupérer la vache. Pourquoi est-ce qu'il bouge pas d'ailleurs? Je sais pas. Cent cinq degrés. Ah, la table d'échec a besoin de chaise. Bah oui. Tous mes petits livres. Qu'est-ce qui construit? C'est Dez normalement qui construit. Pourquoi est-ce que c'est toi qui fais la bouffe là? Cuisinier. Dez, il est en 3. Pourquoi est-ce que tu priorises pas la bouffe? Là. Allez. On va faire tout ça. Au boulot. Ah, ça y est, il est totalement guéri. Du coup, normalement, ça devrait me faire un bon bonus de relation. Voilà, plus 22. C'est plutôt correct.
chronophagie. Je vais pouvoir faire rajeunir certains de mes pauvres vieux. Philophagie, transfert l'expérience d'une cible à un invocateur. L'intelligence de la victime est amoindrie, ce qui dégrade ses compétences et entraîne des lésions cérébrales. C'est vraiment trop dommage. Attraction de zombies, attraction d'abomination de chair. Allez, sculpture du néant. Je vais regarder un peu ce que je peux en faire. Histoire éventuellement d'améliorer mes rituels. Je vais attendre que tu aies fini cette table. Chobit qui nous fait plein de vêtements, c'est très bien. Très très bien. Tiens, j'en suis où de ma zone de base. C'est bon. Ok. Catharsis du néant. Opportunité de festival rituel. Festival rituel, c'est quoi? C'est ça? C'est lequel? Feu de camp allumé au lieu de rituel. Ah, c'est peut-être idéologie, c'est. Il est où mon sapin de Noël? Je l'avais pas fait un sapin de Noël? Peut-être pas. J'ai encore du bois. Tac, là j'ai plus de bois. Est-ce que j'en ai encore du déjà coupé? Bois, oui, forcément j'ai plein. Et en bois. Non, j'ai pas l'impression que j'ai de bois. Ordre. Récolter à maturité. Ça descend vite. Un groupe de voyageurs passe dans les environs. Bon, il a fini sa table. Bonne, excellente, très bien. Allez, non, c'était pas ça. C'est quoi alors? Une des options suivantes est qui? Sélectionner un feu de camp allumé au lieu de rituel. Et ça fonctionne pas? Juste un lieu de rituel.
Festival Bestialisme. Ah, d'accord. C'est que c'est le truc de Hurlefort. Donc non. C'est pour ça que ça fonctionnait pas autrement. La nourriture se fait rare déjà. Alors hop, je vais faire une extraction d'animaux. Tac. Qu'est-ce qu'il y a le plus en sensibilité psychique? Puisque Hurlefort et HS, ce serait Dez, ce serait Dez. L'invocateur. Tac. Je ne sais pas si là les 50% ont une importance. Dans le doute, on va mettre des 100%. Base de la microélectronique, et ça, c'est pas rien. On vous apprend les bases pour travailler l'électronique complexe. Alors, je pourrais faire la petite artillerie automatique et ensuite l'artillerie automatique perfectionnée. Ça me débloque la base orbitale, console com, tout ça, encore des trucs qui demandent de la place. Il va être temps de miner. Tu vas me faire une porte engrais ici, s'il te plaît. Et je vais me refaire une pièce là. Alors, attraction d'animaux terminée. Désaccumulé. Attendez-vous, une horde d'animaux sauvages. Waouh, ça fait peur. Ordre miné. Tu vas me miner en 11 par 11. S'il te plaît, merci. Mitch, ça va être l'heure de manger. Alors, cobaye en pleine migration. Ça, c'est impressionnant. T'avais rien de plus intéressant à me défoncer. Enlèvement par téléportation peut être accompli à nouveau. Je gagne de 20,20 par jour. C'est juste énorme. Et pourtant, ça monte pas si vite que ça. Le truc, c'est que comme ils sont en pleine migration, de toute façon, je vais pas arriver à choper grand-chose. C'était un peu du gâchis, cette invocation. C'était un peu du gâchis. Je vais faire 16%. Comme fourrure de cobaye. Bon, sinon je peux avec deux goules, je sais pas. Ah tiens, est-ce que j'ai fait est-ce que ça met des trucs? Non, ça n'a pas été fait encore. La plaque de goule a été faite. Tac. Elle est où la plaque de goule? C'est ça, non, massue en grès, caneton. Hop, je crois que c'est une opération. Voilà, plaque de goule. Tac, il n'y a aucun lit médical. Alors, il suffit d'en faire.
Hop, qu'est-ce qui va m'opérer ça? Travailleur, médecin, c'est le signe. Hop, va opérer Canton. Zone découverte. Ah. Très bien. C'était pas une très très grande zone. Alors, fais-nous voir quand même tellement t'es beau au Canton. C'est magnifique. Et qu'est-ce que ça fait? Vitesse de déplacement moins 0,70, multiplicateur de dégâts, fois 50%. Ah ouais, il prend 50% de dégâts en moins, sachant qu'il avait déjà robuste, qu'il lui faisait 50% de dégâts. Il prend 25% de dégâts. Ça va. Il tank. Hop. Allez, on va attendre que tout le monde se réveille, mange un petit coup et on redescend dans la fosse. Machine à compacter, ça je sais. Bon, Gilead. Ah, ça y est, il est plus incapable de marcher. Hop, allez. On laisse même chose, on laisse Richuk et Lady. Tac, tac, tac. Et on est reparti. Alors, tous mes tireurs sont là. Tac, allez. Tac. Est-ce que j'ai quoi que ce soit? Oui, là, il y a trois vilains. Enfin, il y a des petits vilains. Dès, tu restes plutôt derrière, s'il te plaît. Voilà, chaise. Ceci dit, je m'emmerde peut-être, enfin sans doute beaucoup pour pas grand-chose, vu que mon bord de carte. Lewin. Hop. Hop. C'est cela. Alors, on va repartir. Hop, on va partir par là. Tac. Hop, un œil arcotech. Yaouh. Vache. C'est pas rien. Hop. C'est pas rien du tout. Hop, convertir. Ah bah tiens, tac. Va me convertir le fort, s'il te plaît. 4,7. Allez, on s'en approche. Tac. Et c'est quoi ça? Waouh! Vraiment top. Parce qu'en plus, j'en ai un avec un lumbago de mémoire. En fait, quand on leur dit de le faire au cac, c'est presque plus rapide.
Hop. Ah. Alors. Tortillement, s'approchant de la malle de chair, Lewin a senti quelque chose se tortiller et palpiter sous sa surface chaude. Une énorme entité vivante se cache derrière ce mur d'acier. Donc, c'est par là que on va trouver ce qui permet de terminer la zone. Donc, on va ramener nos cacs aussi. Y'a. Hop, on achève. Non, vous voulez pas. Canton first. Tac. Chiant, ces bestiaux qui se... Oh, joli tir. Canton. Désolé, je comprends pas beaucoup ce qui se passe. Voilà. Oula, Mitch, t'as pris un coup là. Tiens, tu pourrais manger. Je sens que tu as faim, Mitch. Hop. Et Canton aussi, t'as faim. Hop. Ouais. Ah, mais zut, il y a encore une saloperie là. Bim, zut. Chobiti s'est fait toucher. Ouh, Chobiti est pas contente. Hop, bon. On va laisser tout le monde remonter. Et on terminera une prochaine fois. Hop. Tiens. Tac. Non, non, non. Non. Hop, de la surface. Hop, ça y est, on est nourri. Hop, remonter la surface. Voilà, chouïti. Marque signesque n'est pas respectée. Comment ça? L'impression de la pièce 14 sur 60. C'est que ce bazar. Pourquoi j'ai ça tout d'un coup? Je ne sais pas.
Alors, je pourrais faire de nouveau. C'est quoi ces 100? J'en ai pas assez. Tac. Et puis au sol. Est-ce que je peux la faire tourner? Ah bah oui, il suffit que je fasse ça. Ah, je peux la déplacer. Pour qu'elle soit dans le bon sens. Ça me tracasse ce crâne à l'envers. Voilà. Et puis autour de ça, toujours au sol, on va mettre du carrelage en grès. J'ai pas de quoi faire plus riche que ça. Je voudrais bien, mais je peux point. Comme disait la bonne du curé. Allez, presque converti, sur le fort. Et ensuite, je peux le libérer. Pousse. La gousse de Gornalen. Hop. Je vais la récolter, mais ce sera pour la revendre au premier venu. Ici, je dois mettre de la lumière parce que sinon, je vais avoir des infestations qui vont pop. Hop, énergie, conduit crochet. Hop. Et donc là, je pourrais faire. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Je pourrais faire la suite de mon stockage, réserver ça, ou alors la zone de recherche. Je pourrais faire ma zone de recherche, production, parce que c'est vrai que maintenant j'ai les postes high-tech. Ah, j'ai pas dit. Eh ben, je vais miner ça. Conversion, yes. Le fort est enfin converti. Est-ce que je dois le. Normalement, si je le libère. Ah, je vais voir. Enfin, je sais pas si c'est une connerie. Tac. Je vais vérifier. Si je le libère, dans la mesure où il était à moi. Tac, Lewin. Relâcher. Voilà, c'est bon. Bienvenue chez nous. Ceci dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de ces chaises encore? Allez. Chobiti totalement guéri, mais Chobiti toujours pas très jouasse. Tentacule de chair, onde de l'humanité. Ouais, en fait, il faut attendre qu'elle pète un câble. Pousse d'ambroisie. Ah. Zone agricole. J'en veux pas. Et hop. Alors là, je vais faire un mur en grès tout le long. Non, pas tout de suite. D'abord qu'ils finissent de miner.
Oui, c'était pas gros. J'ai besoin donc d'autres. J'en ai là. Attends, je pourrais déjà défoncer tous les débris de vaisseau qu'il y a sur la carte. Hop. Ensuite, on ira miner la machinerie compactée. Hop, dupliquer. Tac. Oui, là, du coup, il commence à faire tiède. Ah oui, sauf que, du coup, il faudrait prioritairement... Combien là? 3. Chobiti, tu me fais une carabine de Chobiti, c'est une très bonne chose. Là, ça déconstruit. Chef-d'œuvre. Une chaise en bois qui est une merveille. Alors là, je dois bien avouer que j'en ai rêvé. Ceci dit, Chobiti, j'aimerais que tu fasses d'abord du grès, s'il te plaît. Histoire de refermer. Des, tu fais quoi, tu pionces? Voilà, non. Hop, tu me fais ça, s'il te plaît. Merci d'avance. Hop, et le même ici. Ah, nice. Eh bien, tiens, par exemple, cette excellente, cette merveilleuse chaise sera merveilleusement bien pour m'aider à rechercher la suite. Ah oui, j'ai plus de bouffe, carrément. Ah si, ça revient. C'est vraiment flou-tendu quand même. Faune. Et puis ça revient pas. Attraction d'animaux, c'est déjà 5 jours pour ce que ça vaut. Dez, s'il te plaît, tu fais... Toi, tu fais la construction, pas du tout. Toi non plus. Toi non plus. Toi non plus. Toujours pas. L'Adixis. Termine-moi ça en urgence, s'il te plaît. Ça y est. La marque signée, est-ce qu'elle est de nouveau respectée? Je ne sais. Non, toujours pas, apparemment. Et cette excellente chaise va aller là. Ah oui, Chobiti est en train de... Oh, c'est pas grave. J'en ai besoin. Terminer ma pièce. Ah merde, j'ai plus d'électricité. La 10, urgence. Donc, je vais remettre de l'approvisionnement automatiquement parce que là en plus j'ai deux postes high-tech. Donc ça va me bouffer de l'énergie. Bloqué par le palmier. Ah merde, j'ai pas mis... Si c'est bon là maintenant. Ok. Petite artillerie automatique. Usi pistolet, ouais. Ouais,
ça que j'aime bien. Pour les pieds, le PM lourd et le shotgun enchaîné. Bon, est-ce que c'est mieux là? Légèrement impressionnante, oui. Comment ça, 59 sur 60? Oh, me saoule. Ceci dit, je pourrais peut-être envisager de me faire. De me faire. Un établi de sculpteur. Ça serait peut-être pas du luxe. Alors, avec des grandes sculptures. Plutôt en bloc de pierre, hein, pas en acier. Pas trop en bois. Qu'est-ce que j'ai comme travailleur? Hurlefort, forcément. Minimum 7. Allez. Minimum 7. Et tu me le fais en boucle, s'il te plaît, merci. Très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'event, je trouve aussi. Je vais chasser les deux boumelopes. Mitch, tu t'en sors. Oui. Voilà. Hop. Tum. Ah oui, mais non. Il faudrait que. Hop, tiens. C'est un peu con. Tout qui a cramé. Allez. Hop là. Et l'autre, ça va être la même juste derrière, mais très bien, il pleut. Parfait. Allez, c'est le moment de crever. Hop. Vas-y, canton. Tac. Tant qu'il pleut. Hop, le signe. C'est toujours plus compliqué de chasser le boomalope que d'autres choses. Voilà. Ça me saoule là. 59 sur 60 pour l'impression de la pièce. Putain.
T'es neutre. C'est-à-dire que ça. Est-ce que ça apporte de la beauté? Je pense pas. Ceci dit, je pourrais mettre également peut-être des bancs en grès. Je sais pas si c'est plus beau. C'est beau. Pas sûr. Oh, lui, il va être chaud aussi à convertir. Quatre chercheurs, là, ça dépote, hein. La vache. Visite. Chobiti, tac. Alors, des médocs, je prends. Des composants, je prends. De toute façon, ça va être comme tout à l'heure. J'ai pas forcément grand-chose à lui donner. Hop. Là, il me donne 24. De tissu, je lui donne tout ce que j'ai en tissu, je le donne, enfin je le vends plutôt. Arc court, un bon arc court, on revend. Ah, j'ai piquant de goule. Ah oui, c'est vrai que j'ai toutes ces choses-là que je pourrais équiper. Alors, caneton, tac, je peux te mettre. Piquant de goule. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait un limbago? J'ai quoi? J'ai un œil arcotech. Et donc là, typiquement, dès à l'œil gauche. Là, j'ai un pied gauche en bois. Tentacule de chair, lien psychique. J'avais pas un lumbago quelque part? Bah non. Je croyais. Est-ce que Dev, je lui remplace son œil? Peut-être pas. Est-ce que raté? Ouais, le fait qu'il est moins en vue, en fait, on s'en fout un peu puisque c'est pas un tireur. Fort. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Piquant de goule. Ça le fait se déplacer encore plus lentement, mais faire encore plus de dégâts. Ok. Est-ce que c'est ça qui lui plaît pas? Est-ce que ça diminue le... Non, c'est la même. Ah zut, la dalle est juste moyenne. Ah, j'ai pas l'impression qu'il puisse y avoir un autre. Une autre valeur.
Bon bah le carrelage ça a pas suffi à améliorer les choses, tiens, ça il faudrait que je le mette. Balise orbitale, tac. Et une autre là. Hop. Il faudrait ici que je mette une caisse à outils. Tac. Que je mette une console com. Hop. Ça, ici, les postes de recherche. Calme ça. Sculpture du néant. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Inducteur de frénésie, j'aime pas trop. Armement bioferrite, c'est quoi arme de précision qu'il me faut? Tac. Allez, on va faire inducteur quand même. Non. Franchement, ça mène à rien de particulier. Électromoissonneur. Ok. Alors, les sculptures, machin truc là. Et où? Est-ce que c'est là? Atelier de sculpteur. Oui, sculpture du néant. Ah, écoute, on va tester, hein. Sculpture troublante en bioferrite, les propriétés psychiques de la bioferrite améliorent la qualité de tout rituel psychique accompli à proximité. Et maximum de 6. Ok. Eh ben, tu vas m'en faire 6. Hop. Et là, c'est minimum 18. Je veux que Hurlefort qui me fasse ça. Ça veut dire que Hurlefort doit faire en plus de l'art. Et tu vas même faire ça en priorité. Voilà. Qu'est-ce qui me manque pour faire ça? Acier composant. Je n'ai ni un ni l'autre. J'ai clairement pas d'acier. Et sur les composants, j'ai l'impression que j'en ai pas non plus. Bon, et ben, on va aller en chercher. Acier, j'en ai ici. J'en ai là. Là, j'ai des composants. Hop, une élève. Là, j'ai du métal. Démolir tout ça. Ça c'est quoi? Marbre. Là j'ai des composants. Là j'ai de l'acier. Est-ce que c'est vraiment plus proche? Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit passage depuis l'intérieur. Pour aller chercher cette veine, juste que je fasse gaffe de mettre une porte derrière qui n'est pas content. Oula, zone découverte. Ah oui. C'est encore Chobiti qui est pas contente.
là j'ai mon œil et ma colonne vertébrale. Convertir qui est disponible. Hop. Tu vas aller me l'utiliser sur Tom, s'il te plaît, merci. Est-ce que je peux faire un rituel de conversion? Non. Super, 3%. Piquant de goule. Est-ce qu'il pourrait pas nettoyer ça? Ah mais zone de base. Parce que ça améliore pas la vitesse de recherche d'avoir un labo aussi sale. Au contraire. Gide. Toi, du coup, t'as pas fini de nettoyer le laboratoire. Armement affolant. Recruter les fragments, d'accord. Donc ça, on peut, c'est permettre de faire péter des câbles aux uns ou aux autres. Allez, philophagie. Tu me fais des armes pendant ce temps? Ah oui, mais c'est ça qui me bouffe. J'imagine. Alors, j'ai trouvé ça. Et ben, on va enchaîner sur les fusils d'assaut, hein, de toute façon. Qu'est-ce qui c'est? Un fournisseur militaire. Ok. Alors, Chobiti ma petite. Où est-ce qu'ils vont? C'est à qui qu'il faut causer? Il est où le point d'interrogation? Ah, là-bas, ma carabine. Elle est comment? Elle est normale. D'accord. Alors, ceci dit, je veux bien. Que tu me fasses un pistolet mitrailleur lourd et un SMG. Est-ce que je fais jusqu'à en avoir un? Peut-être pas. Peut-être pas. Non, parce que là c'est pareil. Je vais arrêter. Hop. Ah, il est là, le vendeur. Tac. Commercer. Ah, là, il y a des armures sympathiques. Waouh. Mais, alors, si, à la limite, je vais revendre ça, quoi. Ce serait presque une solution. Ce serait presque une honte aussi, mais. Je vais juste lui prendre les médocs. Tiens, là aussi j'ai du métal d'ailleurs. Et comme d'hab, la nourriture se fait rare. Je commence presque à avoir l'habitude. Zone découverte, normale. J'attends encore un.
Ah, tac. Et tu vas me faire une porte, s'il te plaît, ici. Ok, console de communication, c'est plutôt sympatoche. Je vais aller terminer de faire, de vider ma zone en bas et j'arrêterai ensuite ce live. Jill, tu vas aller prendre cette carabine, s'il te plaît. Quand tu auras fini de manger du riz. Donc, tac, tac. Ah oui, le fort, du coup, il n'a plus d'armes. Hop. Allez, on repart dans la fosse. Hop. Donc soit je rush la fin, soit je continue d'explorer. Ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout les amas de chair. Tac. Hop, allez, on vide tout ça. Y a rien d'intéressant. Y a rien d'intéressant. Vêtements, oui, c'est très bien. Rien de bien folichon. Et tout vide. Tout vide. Hop. Je commence à vraiment en avoir fait le tour. C'est vide aussi. Qu'est-ce qui me reste? Je vais aller voir par là. Zombie en approche. Merde. Mauvais endroit. Alors, ceci dit, il n'est pas agressif. De mémoire. 4 zombies en approche. Ok. Nouvelle recherche disponible. Formation de fosse. Je sais pas bien si c'est agressif ou pas, en fait, cette saloperie. Ça n'a pas l'air d'être très sympathique quand même.
Ah, là, il y a un autre match cher. Si, clairement, ça veut m'attaquer. Et ça s'attaque à Mitch de façon assez fort. Ok. Bon, Canton, tu me filmes ça. Je suis très mal positionné. C'est une vraie merde. Non. Je vais essayer de leur faire attaquer là. Ouais. Tiens, vous ne voudrez pas arriver à me terminer ça? Non. Foutez-moi la paix. Parez-vous. Parez-vous, 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 parez-vous. Chobiti, non. Oh putain, le drame. Ça va pas du tout. Oh putain, la vache. J'ai géré ça n'importe comment. Sérieux, j'ai géré ça, mais n'importe comment. Bon. C'était absolument pas ça que je voulais faire. Bon, je vais m'arrêter là, je suis fatigué. Je vais m'arrêter là et puis je reprendrai cette partie-là à la fin. Enfin la prochaine fois. Merci d'avoir suivi le live, merci d'avoir suivi cette VOD. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire ou à mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais bien des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.